Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'antre de la bête. C'est ici où je vais créer toutes mes vidéos pour vous. Mais c'est en général aussi ici où je trouve des nouveaux sujets à vous montrer. Et là, sur un forum de discussion, on m'a demandé quel était le kit pour pouvoir commencer, un bon kit. Et je me suis rappelé avec cette question-là, quand moi-même je l'avais posé cette question. Et je m'étais aperçu à l'époque qu'on nous donnait tellement de détails, c'est le detailing, qu'au final, bah, un petit kit pour démarrer, on était vite plein de noms, plein de choses qui étaient difficiles d'accès. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est un kit de démarrage simple, combien ça coûte, on va faire notre panier sur le site qui est derrière, et puis les deux petites trois choses qu'on pourrait rajouter en plus pour être bien suivant les finances. Allez, on y va. Alors pour commencer, on va aller sur un site qui vend du matériel pour detailing. Ici, ça sera Maniac Auto. J'ai pas particulièrement d'action chez eux. Par contre, je suis en général contente de leur travail. Ils sont assez réactifs, même très réactifs. Et puis, leurs SAV sont très bons. Par contre, en général, ils sont un petit peu plus chers que les autres. Donc, faites votre marché et prenez où vous préférez. On va commencer par les gants, alors je ne dis pas le, les, il en faudra un pour le haut et un pour le bas. N'hésitez pas à les différencier, moi j'ai fait l'erreur d'en prendre deux identiques au départ, et on a toujours du mal à savoir quel est le gant pour le haut, les parties qui sont pas trop sales, et le gant pour le bas, les parties qui sont plus sales de la voiture. Après, on en vient au seau, il en faut deux comme pour les gants. Un pour rincer, c'est un seau d'eau sale en gros, et puis un autre qui va être un seau d'eau propre dans lequel il y aura le savon. Prenez-le avec des grilles au fond des seaux. Donc c'est des grilles qui se mettent à l'intérieur et ça permet d'éviter que la poussière ne remonte du fond du seau. Elle descend avec la pesanteur dans l'eau et puis quand vous mettez le gant à l'intérieur du seau, et ben vous avez une eau claire dans la partie haute et une eau un petit peu moins claire dans la partie basse. Ce qui est pratique pour éviter de ramener des contaminants sur les gants quand on revient sur la voiture. Et donc de la rayer, ou plutôt de la micro-rayer. Maintenant on en arrive à la microfibre de séchage. Cette microfibre va permettre de prendre le rôle de la peau de chamois qu'on connaissait avant, mais qu'on n'arrive même plus à trouver autre qu'en simili et qui ne fait vraiment plus son office. Donc n'hésitez pas, les peaux de chamois on les utilise plus et on prend une bonne microfibre de séchage. J'en connais même certains qui ont doublé l'achat pour l'utiliser comme serviette de bain, car c'est tellement doux. Et franchement, on se pose la question soi-même quand on les reçoit. Vous me direz dans les commentaires si c'est votre cas. Pour continuer dans les microfibres, il faudra aussi des microfibres un petit peu pour tout faire, les microfibres jaunes, et les microfibres bleues, qui elles sont en général utilisées pour les vitres, car elles ont tout simplement une meilleure finition quand on a fini de nettoyer les vitres. Puis le savon doux. Alors j'adore Mr. Pink de Chemical Guys. Il n'est pas forcément excessif, il marche bien, il a une super odeur. Donc n'hésitez pas à le prendre, je le prends souvent en galon, qui est beaucoup moins cher qu'en bouteille simple. Mais pour débuter, je pense qu'il vaut mieux prendre la bouteille de 500 ml. Ça permet de tester, de voir si ça vous convient. Et puis après, on achète en général le gros galon pour avoir du stock. Après le savon doux, le savon hard. Pour ceux qui ont l'habitude de l'émission, vous savez que j'adore particulièrement le M7 de Alchimie, qui est encore une boîte française, j'adore le dire parce que ça fait plaisir d'avoir des boîtes innovantes en France. Donc n'hésitez pas à le prendre, c'est vraiment un savon qui est génial. Et puis pourquoi prendre un doux et un hard? J'en profite pour le dire là. Le doux c'est vraiment pour quand on nettoie sa voiture régulièrement, je veux dire une fois par semaine à peu près. Donc ce n'est pas fait pour enlever les taches qui sont importantes et vraiment incrustées. C'est là où le savon hard prend son intérêt, c'est que lui il va pouvoir enlever tous les éléments qui sont vraiment incrustés. D'ailleurs, il n'enlèvera pas que ça. Il va aussi enlever les protections que vous pourriez mettre sur la carrosserie. Alors, on en a vu quelques-unes sur mes vidéos, mais la seule chose qui tient réellement avec un savon hard, c'est une vraie céramique. Et vous pouvez voir d'ailleurs une de mes vidéos sur comment on pose une vraie céramique sur une série 3. On en arrive aux brosses et aux pinceaux. Donc, n'hésitez pas à prendre des pinceaux. En général, un petit, un gros, c'est largement suffisant.
ça coûte rien, quelques euros, donc n'hésitez pas, ça c'est vraiment mettre dans le panier dès le départ. C'est lui qui vous aidera à aller dans les petits recoins et vraiment faire en sorte que c'est propre. On parle de detailing, donc de détails. Et le pinceau, c'est lui qui fait justement ce petit détail-là. Et vous le verrez dans toutes mes émissions, à chaque fois je l'utilise. Pour continuer dans les brosses, on va prendre les brosses pour les jantes. Donc la marque EZ font de très bonnes brosses qui sont assez douces, qui évitent de rayer les jantes. Ces brosses existent en plusieurs modèles. Moi j'ai celle qui est ronde, mais la mini est sûrement un petit peu mieux pour les jantes où c'est difficile d'accès. Je pense que je m'en prendrai d'ailleurs une plus tard. Les brosses qui vont suivre sont pas obligatoires car on peut faire tout avec un pinceau. Mais il y a quand même des brosses qui sont bien pratiques pour faire par exemple l'extérieur des jantes. De la marque de Mover, maman. Et je l'aime beaucoup, j'en ai deux d'ailleurs. J'en ai une qui me sert pour la partie jante et l'autre qui me sert pour les flancs des pneus. Alors ça coûte assez cher, donc si vos finances sont un peu limites, mettez ça pour plus tard, parce qu'à coût de 20-30 euros pour juste une brosse, c'est vraiment abusé. Mais si vous avez les finances, n'hésitez pas, c'est vraiment très agréable et bien plus rapide et efficace pour nettoyer. Maintenant, on attaque les produits, je vais dire, en plus. Déjà, là, vous avez une bonne base pour le nettoyage. Donc là, en plus, pour le dressing de pneus, j'adore la marque Autoglym qui nous fait un très bon produit pour le dressing des pneus. Donc il n'est pas très cher, il sent super bon et il est vraiment efficace. Il est moche comme un pou sur la bouteille. Donc a priori, ils n'ont pas bien compris eux que le detailing c'est beaucoup de marketing. Mais il ne faut pas s'arrêter justement à cette bouteille qui n'est pas très sexy. Le produit est vraiment génial. Maintenant le produit pour les vitres. Donc il y en a plusieurs, par exemple celui-ci je l'aime bien, il nettoie pas mal, il a une protection hydrophobe, donc ça veut dire que quand il va y pleuvoir, l'eau elle va perler sur le pare-brise. C'est pas mal, sauf que je trouve qu'il a un petit défaut, c'est que ça a tendance à faire comme des traces de gras quand le balai passe, ça va durer peut-être une demi-seconde, une seconde, mais on a cette sensation que le pare-brise est un petit peu gras, puis après il n'y a plus rien évidemment. Donc je préfère prendre plutôt l'autre qui est celui-ci, le Vision, vous l'avez déjà vu dans une autre de mes vidéos, qui lui n'a pas cet effet perlant, par contre il nettoie mais vraiment super bien. Alors là on en arrive au produit qui va donner vraiment du lustre sur la voiture, donc je vous recommande d'en prendre un. Après vous regardez ce que vous préférez, j'en ai fait quelques-uns sur mes vidéos, donc vous pouvez les voir déjà chez moi, il y en a d'autres qui vont venir. Quand on parle de QD, c'est du quick detailing, hein. Mais ni plus ni moins, c'est des produits qui se vaporisent sur la carrosserie super facilement. Des fois, on les essuie, des fois, c'est même pas le cas, on passe juste un coup de jet d'eau et après, on essuie l'eau qui reste. Mais grosso modo, c'est quelque chose qu'on peut faire même en centre de lavage. Donc autant ne pas se priver et prendre une de ces bouteilles pour avoir une finition qui est plus sympa, avoir du lustre, c'est-à-dire avoir une carrosserie avec une couleur qui est bien plus intense. Qui a un toucher qui est comment ça s'appelle, comme de la peau de pêche, qui est vraiment quelque chose qui est très doux sur la carrosserie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore en plus sur ce genre de produit? Il y a souvent un effet déperlant, pas tous, mais la plupart le font, donc ça empêche en plus du coup les poussières de s'agripper facilement, donc n'hésitez pas. Allez, pour vous aider, un petit panel des choses que j'aime bien. Hydro 2 de CarPro. C'est une céramique en quick detailing, donc c'est pas une vraie céramique, mais il a vraiment un super rendu, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus. Là c'est la version light, c'est-à-dire c'est celle qui est déjà préparée et mixée avec de l'eau. Il existe une autre version qui coûte beaucoup plus cher, mais qui est mixée avec de l'eau. La bouteille est bien plus chère, mais vu que vous allez devoir la couper à l'eau, au final vous avez beaucoup plus de produits pour au final un prix beaucoup moins cher. Un autre de ma dernière vidéo de Big Wars que j'aime beaucoup, qui est un hybride céramique cire. Donc en gros, il prend un petit peu le meilleur des deux mondes. Cependant, il demande un tout petit peu plus de travail quand on l'applique. Mais vous le verrez sur la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors, Hydrosilex Recharge, on le voit systématiquement sur toutes les pubs internet, c'est un truc de malade, il communique à mort dessus et le produit est ultra cher. Alors, est-ce qu'il a des avantages par rapport aux autres? Oui, il est meilleur point de vue rendu, il a une profondeur incroyable, il a un toucher satiné excellent,
Par contre, il est hyper mauvais sur le côté hydrophobe. Même sur une céramique qui, elle, est hydrophobe, lui, il arrive à enlever cet effet hydrophobe. Donc, il est bien, mais il est vraiment cher. Et si votre besoin est plutôt d'avoir un côté hydrophobe, il vaut mieux l'oublier. Pour finir, ma petite sélection des produits en quick detailing à mettre, il y a le P40 de Chemical Guys que j'aime beaucoup. C'est un produit qui n'est pas à base de céramique, c'est un produit qui est à base de carnauba. Donc c'est une autre matière qui est plus orientée cire, wax, on va dire. Et il a une profondeur qui est super belle. Franchement, c'est pas très loin d'Hydrosilex Recharge. En gros, son seul petit défaut, c'est le fait qu'il va attirer un petit peu la poussière. Alors ça sera facile à nettoyer, mais si comme moi, vous avez un chemin en terre devant chez vous, il vaut mieux peut-être se passer sur quelque chose qui est plus orienté céramique. Si vous êtes plutôt urbain, c'est vraiment un super produit. Allez, dans les choses où c'est pas mal de l'avoir au début, mais ça coûte assez cher, donc en général on le prend par la suite, c'est la foam lance ou la lance à mousse qui est très utilisée pour le pré-lavage. Donc pour commencer, vous n'êtes franchement pas obligé de le prendre. Par contre, vous le verrez sur mes vidéos, moi je l'utilise. Et ça un intérêt pour le fait de faire couler les saletés avec la mousse sans passer le gant, donc de pas micro-rayer la carrosserie. Et puis il y a un petit côté jouissif à l'utiliser parce que on va recouvrir la voiture complètement de mousse. Donc rien que pour ça, c'est amusant, c'est sympa. En plus, c'est utile. Le seul défaut, c'est que ça coûte 50€ et quand vous avez tout à prendre, ben, ça rajoute encore 50€ sur le prix. Donc n'hésitez pas si vous avez les moyens. Et sinon, bah, prévoyez-le pour un futur panier. Allez, pour conclure, on va voir un petit peu notre panier. Donc, on va commencer par les gants, les seaux, la microfibre de séchage, le savon doux, le savon hard, une bouteille de QD, j'ai pris le P40 car c'est sûrement lui le moins cher, les deux pinceaux, le produit pour le plastique et les dressings de pneus, le spray pour les vitres, différentes microfibres à tout faire et les microfibres pour les vitres. Et on en arrive à peu près à 180€ de matériel. Là, chez Maniac Auto, ils vous font la livraison gratuite, je crois, après 170€. Donc, il y a d'autres choses à prendre, je vous les ai montrées. Là, ça dépend des bourses de chacun. C'est assez cher pour démarrer. Par contre, quasiment tout ce que je vous ai dit, à part les produits qui sont du consommable, le reste, vous l'avez acheté une fois et c'est bon pour vraiment un très long moment. Et voilà! Maintenant, vous savez à peu près ce qu'il vous faut pour un premier kit et éventuellement 2-3 produits en plus. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Et puis, à bientôt! Dernière petite chose, certains d'entre vous étaient déçus de ne pas voir Zombie dans les dernières émissions. Bon bah, Zombie, toujours en pleine heure supplémentaire. Elle va me coûter cher cette chienne. Allez, ciao!